Salut, c'est Agir, on se retrouve pour un gameplay sur Poké Tournament. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à Lucario, le Pokémon qui joue sur l'aura. C'est un Pokémon de type standard. Il y a beaucoup de Pokémon de type standard dans ce jeu. Et pour ce qui est du Pokémon rival, bah tiens, on va mettre Mackogneur qui joue sur la puissance. Pour les Pokémon de soutien, je vais mettre mon petit Nymphalie, augmentation de défense, récupération de PV. Et pour lui, on va lui mettre des trucs avec charge lente, comme ça il fera pas chier. Voilà, tiens, Magneton et Marest. Je vais garder le type spécial. Et pour la reine, et bah tiens, ouais, enfin, on va aller sur Tellurville, automne. Je sais plus du tout si on l'a mis. Ouais, je sais plus du tout ce qu'on a mis dans les précédentes vidéos en map. Ne retiens pas tes coups. On va voir ce que ça donne. Alors, les graphismes des Pokémon enfants, c'est vraiment moche. Même la texture de nos Pokémon qu'on joue. Bon. Lucario, ton aura est trop puissante. Par contre, la musique est stylée. J'écoute la musique, elle est vachement stylée. Et on va prendre Nymphalie. Let's go. Premier round, c'est parti. Beaucoup de PV, Mackogneur, est-ce que je vois? Il y a des petits projectiles, on voit des cailloux. Moi aussi j'ai des projectiles. Wouhou, on voit des petits trucs d'aura. Hadouken. D'accord, j'ai un titre Hadouken comme Ryu, hop. Je peux spammer? Non, je peux pas spammer. Par contre, il y a une petite charge et il y a des grosses charges. Ok. Là, si je charge, ça envoie plusieurs. Ok, très bien. Donc, quelques projectiles, ça peut être pas mal au corps à corps. Il envoie des petites auras qui font des attaques. Prends ça. Oh, tu te prends pour qui? Oh, t'as vu, j'ai un bâton en aura. Donc il y a des attaques en charge sur A. Encore une fois, il joue avec son aura. Wouhou, esquive. Crabe raté, ça passe. Aïe, oui. Tiens. Oh, il m'a contre-attaqué mon contre. L'enfoiré. Oui, aïe. Bah lui par contre il fait extrêmement mal comparé à moi. Il rigole pas. Tiens, bâtard. Méga évolution. Allez, faut que ça passe. S'il arrêtait de me faire mal, ce serait cool. Tiens, prends ça. Et ça passe. Ressens le pouvoir de l'aura. Aura sphère. Et c'est assez pour le finir. Il ne restait plus que 30 PV. Donc, à ce que je vois, Lucario n'est pas très très puissant. Il prend quand même un peu cher face à Mackogneur. Faut peut-être jouer un petit peu sur les projectiles. Les projectiles n'ayant pas beaucoup d'hitbox, il faut aller un peu au corps à corps. Au niveau de la synergie, j'ai pas vu si ça restait assez longtemps. What the? Oh, mon bâton d'aura! Il me contre avec un grab. Aïe aïe aïe. Les attaques en l'air, ok, c'est des petites charges. Je t'enchaîne, mais là n'a rien à foutre. Yo! Calme-toi! Allez, Mackogneur! T'as l'air d'être un bon Pokémon, Mackogneur. Hein. Contre, ta gueule! Voilà, tu joues pas le malin. Et tu prends ça! Lucario, ce que je vois, il est assez lent. Par contre, il a des bons enchaînements. Donc ça, c'est plutôt. Tiens. Oh. Ok, on va méga évoluer. Pas de temps à perdre. Sinon, on va prendre cher. Oula, Mackogneur qui passe en super synergie. Il est tout rouge, il est magnifique. Il risque de nous faire très mal maintenant. Putain, je suis en train de prendre cher. Ta gueule, Mackogneur. Tiens. Voilà. Ressens mon pouvoir. Et superbe attaque. Ça passe pas, mais c'est pas grave. J'étais à la fin. Voilà. On va jouer un peu sur les projectiles parce que j'ai plus beaucoup de vie. Ça. Et c'est fini. Yeah. 2-0. On prend toujours Nymphalie. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? C'est toujours la charge, ok. Pareil. Petit projectile. Ah, ça, ça me plaît, ça. Petit truc d'aura au corps à corps. Tiens. Rien à foutre. Oh putain. Oh, t'as vu ce que j'ai fait? Pendant son attaque, j'ai réussi à me baisser et il m'a pas touché. Tiens, contre. Rien à foutre, mon bâton, ressens-le. Il me contre aussi. Voilà. Nymphalie vient m'aider. Et on retourne à l'attaque. Ta gueule, ta gueule. Aïe, 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 aïe. Hop. Méga évolution. Et prends ça. Aïe. Pas mal d'hitbox dans les airs. Ça a l'air d'être un bon contre pour les Pokémon aériens, Mackogneur. Tiens, tiens. Ok. Voilà, on passe derrière.
et ça marche pas. Et nous, on reçoit un Stunt Uppercut de folie qui fait vachement mal. What the? Tiens, prends ça. Les objectifs sont vraiment pas mal. Tiens, prends ça. Ouh, c'était chaud. T'es vraiment serré, comme elle dit la femme en haut. Ok. Bon bah, je crois qu'on a... on a vraiment tout vu à Lucario. Je donnerai mon avis dessus à la fin. Yah, au soir, mes aura sphère. Tiens. Oh, c'est quoi ça? Ok, c'est un contre s'il fait une attaque en X ou en Y. Je suis pas sûr dans les deux. Si, le combo avec mon bâton d'aura. Ah, t'as vu, on a pu voir que dans mon combo il a pu se protéger. C'est à dire que je suis tellement, Lucario est tellement lent qu'il peut faire quelque chose à l'intérieur de moi. Aïe. J'ai pris cher. Méga évolution. On va tenter un petit grab. Ça passe pas. Le grab. Putain, faut pas se laisser faire. Ok, mais ça, superbe attaque, ça protège. Wow. Le grab qui passe. Tiens. Yeah. Wouh. J'ai plus le choix, il me reste plus grand chose. Et ça passe. Bien entendu, on va le finir. Yeah. Ah, les Pokémon de type standard qui manquent énormément de ressources quand même. Ils ont la classe, franchement, faut pas se mentir. Ils ont la classe quand ils combattent. Mais il manque incroyablement de ressources, de puissance, d'inbox. On a des trucs de folie quoi. Arrête de m'envoyer des cailloux toi. Il est fou lui. Wouhou. Tiens. Tiens. Et tiens. Aïe, aïe. Calme-toi. Voilà. Chargeant les airs. Prends ça. Hadouken. Méga évolution. Allez, on va essayer de le combo. Si c'est pas lui qui me combo à la place. Putain, il enchaîne. Tiens. Et tiens. Yeah. Là, t'as eu mal. Allez, on espère que ça passe. Ça passe. On devrait pouvoir le finir. Et achever cette vidéo de gameplay comme il se doit. Yeah. Magnifique. Yeah. Ah, tu as la classe un méga Lucario comme ça. Voilà. On va quitter le combat. Bon, les niveaux de compétences qui augmentent bien entendu. Peut-être lui il serait bon à jouer en synergie. Comme ça on peut améliorer notre vitesse et notre attaque. Bon, je vais être en attaque hein. Fiche. Un petit bonus de chance. La rivalité dans la peau. Ok, d'accord. On quitte le combat. La prochaine fois, on va voir quel Pokémon on va... Oh, je pense qu'on va suivre. Quoi qu'on a déjà joué Pikachu, on va pas revoir Pikachu. Eh bien, on jouera Dracaufeu, Pokémon de puissance. Alors, pour ce qui est de Lucario, je trouve, comme je l'ai dit, il manque de ressources. Il tape pas assez fort. Les combos, il en a des pas mal, mais on a pu voir qu'il pouvait se protéger à l'intérieur. La hitbox, au niveau des projectiles, elle est pas grande. Donc, il faut quand même s'approcher un tout petit peu. Mais il faut quand même jouer apparemment... sur les projectiles, quelques petits contres, mais voilà, sans plus. Donc j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, tu donneras ton avis par commentaire sur Lucario. Et j'ai rendez-vous pour un prochain gameplay sur Pokémon Tournament où on jouera Dracaufeu. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Salut.